Voilà, c'est tout le monde, c'est Sylvos, et on est reparti pour cette suite de Pokémon Blanc 2. Après avoir obtenu White Kyurem, aujourd'hui on va se faire un peu plus calme, on va se faire de l'exploration, et on va essayer de capturer Latias, si on en a l'occasion. Voilà un petit peu le programme de la journée. Donc juste avant, quand même, on va essayer de récupérer Fancy et Taka dans le PC, qu'on les avait abandonnés pour transformer notre White Kyurem. Donc déjà, Fancy, on te réintègre, ça c'est sûr. Et Taka, oui, toi aussi, on va te réintégrer quand même. Hein. Tu vas remplacer... Bon, allez, Agito. Voilà. C'était le petit truc que je voulais faire. Sur ce, on est parti, donc. On va essayer de débloquer le sud-est hein, de Unis aujourd'hui. Parce que, donc, pas la forêt blanche, hein, comme pour ceux qui se demandent où c'est, la forêt blanche, c'est ici. Non, nous, on va se concentrer sur la partie juste là, voilà. Donc, on go à Volucité. Parce que je vous rappelle que la dernière fois, on n'avait pas pu aller à droite parce qu'il y avait ces fichus roux de la Team Plasma qui causaient des soucis dans tout Unis. Mais aujourd'hui, le mal a été rompu par Sylvos. Et donc, on est parti. Let's go! Donc, si je me souviens bien, là, c'est le fameux pont qui avait fait un grand succès à la sortie de Pokémon Noir et Blanc. Parce que c'était c'était une nouveauté complètement, cette nouvelle 3D. D'ailleurs, regardez-moi ça. On peut voir tous les immeubles. Du moins une partie des immeubles. Ouais, je cours. C'est le dézoom total. Ah, franchement, j'adore cette perspective, cette 3D. C'est vraiment toujours aussi bien réussi. Et ça ne s'arrête pas. Allez, cours, Forest. Cours. Tu y es presque. Vas-y, fonce. Marche vers la gloire. Bon, t'as même pas bientôt fini, c'est carrément devenu le marathon d'Unis. Faudrait que je fasse une vidéo, un truc comme ça, où c'est le tour de France en bicyclette. Tu fais le tour d'Unis en bicyclette, en moins de 10 minutes. Ah, ça, ce serait épique. C'est bon, t'as fini le destin des escaliers? Ouais, on a fini! Alors, sur ce... Ouais, allez, on sort. Et, waouh! Eh, je me souvenais pas de ça. Allez, cheese! Ah, c'était un petit artwork, hein, pour ceux que ça intéressait. Franchement, elle était belle, cette vue. Hein. Aïe, 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 aïe. Non. J'aime pas les dresseurs. Bon, la prochaine fois, je vous promets, on va tous les éviter. On va se faire ce... Encore ce gamin. Un gamin qui a des levels 60, comme Pokémon. Il pourrait se faire la Ligue Pokémon, carrément. Mais bon, comme il faut pas défier Sylvos, hein, parce que Sylvos, c'est... C'est un cheaté avec son marteau point. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre à me refiler, petit garçon? Je suis level 65. Ta-ta-ta-ta. Oui. Non, enfin non, on va pas changer. Qu'est-ce que je raconte? Et ce Pokémon qui est un... Si je me souviens plus son nom, je crois que c'est Triton, un truc dans ce genre, je me souviens plus du tout. En tout cas, il a vraiment... une tête pourrie, je voudrais dire. Je sais que c'est l'avant-évolution de Crapustule, ça je le sais, mais il est vraiment moche, hein. Un vrai petit étard. Donc, alors, on va essayer d'éviter... Ah, j'ai eu chaud, hein. Non! Ninja! Yeah! Oh là là! Oh, y'a Chiren! Yo, Chiren, qu'est-ce que tu fais là? Oui? Il me défie? Non. Ah, ok! Pff, oh là là, il doit y avoir un événement, et... Et fuck. Ouais, je suis désolé hein, si ça a été un petit peu vite. C'est juste que bah, j'ai envie de faire très vite dans cette vidéo. J'ai envie d'avancer le plus possible en très peu de temps. Parce que je vais décider. Maintenant, je vais faire un peu moins de temps dans ces vidéos. Je pense que celle-ci, ce sera la dernière qui dure au moins 30 minutes. Parce que oui, je vais essayer de réduire un petit peu mon temps de vidéo. Parce que le temps du pot devient un peu trop considérable, on va dire. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Il y a Chiren qui m'a parlé. Il s'est mis en coéquipier avec moi. Et voilà, je pense que c'est tout. Et quand même, il est level 67, son Taka, franchement. Non, il va... Non. Putain, il s'est fait un Levenard. Franchement, je dis GG. GG, Chiren. Hein. Ah, par contre, il n'a pas eu de prix. Mais c'est putain. Oh, 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 jolie attaque. Hein. Bon, regarde, je vais te montrer aussi de quoi je suis capable, moi. En... Quoi? Mais de quoi on a l'air face à Chiren? J'y crois pas, c'est un level 60. Oh, j'y crois pas. Ah bah, il s'est tué tout seul. Ok. Sinon, pour revenir à vos commentaires,
pour tout vous dire, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, quel sera mon prochain let's play, hein, encore une fois. Mon let's play, ben, je pensais faire sur Pokémon un autre let's play. Par contre, j'ai pas encore l'idée en tête de quel Pokémon. Je pensais à un autre sur DS, à la rigueur, ce serait bien parce que ce sur DS est ce que j'aime le plus. Enfin, aussi, j'aime bien ce sur GBA, en particulier Pokémon Ruby et Saphir. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire déjà, moi? Je suis hyper complètement. Et, ah oui, je voulais dire, j'allais faire continuer la suite de mon Rayman. Tu vois, je pense que je vais continuer la suite de mon Rayman au moins pour le terminer, quoi, finir en beauté. Et nous avons gagné ce combat! Tout en expliquant un truc complètement illogique de ma part. Oh là, on va essayer d'éviter les... C'est quoi cette pierre? Je crois que ça c'est pour faire évoluer les évolis en fil allumé, je suis pas sûr. Je suis sûr que c'est ça. On va essayer d'éviter... Ah, fichu dresseur! Casquette rouge! Ah, c'est bon, si tu veux, je vais te battre. Il y en a aussi beaucoup qui me posent la question. Ouais, Sylvain, ça compte ta prochaine vidéo? Ouais, j'adore tes vidéos, j'aimerais bien savoir c'est quand tu postes la prochaine. Moi je demande que ça, poster une vidéo, mais seulement ça prend un peu de temps, comme je vous l'ai dit. Moi, en ce moment même, nous sommes tous en vacances. Les vacances, c'est pour tout le monde, même pour les meilleurs. C'est pour ça que j'ai le droit aussi à moi-même d'avoir quelques vacances. Donc je me permets de prendre des fois quelques jours de repos. Voilà. Et donc, comme je vous le montre à ce moment même, là, comme vous pouvez le voir, j'ai appelé White Kurem pour vous montrer sa fameuse attaque. Donc, c'est quoi ça? Ah, ok, ça c'était l'attaque que j'avais vue, qui était complètement bizarre. Aïe. Non. Donc, je pense que c'est ça l'attaque, je suis pas sûr du tout. Ah bah, il s'est passé quoi? J'ai pas trop... Ah, c'est... Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr du tout. En tout cas, c'était très puissant. Au point de le one-shot. Et ben... Ouais, on va changer de Pokémon quand même parce que... Parce que je veux le conserver. Parce que c'est complètement cheaté alors. White Kurem, il est complètement cheaté quand même. Un Snubbull! Petite dédicace à mon petit Senna. Senna, tu ressembles exactement à un Snubbull. J'ai eu tort de te donner le nom à Branette. Tu es complètement un Snubbull, ce charme irrésistible. Tu es tout rose, tout mignon. Et nous avons gagné ce combat une fois de plus. Alors c'est bon, on est reparti. On va essayer de faire vite. J'aimerais arriver à la ville pour capturer Latias. À moi. Parce que oui, j'aimerais rendre cette vidéo assez vite plutôt. Donc on est reparti. Et... Oh non! Attendez une seconde, je regarde si j'ai pas des max repousse parce que là sinon ça va vraiment m'énerver les Pokémon qui m'agressent. Alors max repousse. Ah oui! Ah bah il me reste juste un. C'est la chance qui est avec moi aujourd'hui les amis! Attention, ninja! Voilà! Ah dis donc, ce Chiren il va me couler encore longtemps? Je sais pas du tout moi. Ah non! J'aime pas les dresseurs. Bon les amis, la prochaine fois qu'on voit un ami à nous, on le passe. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de combattre. Je suis obligé de commenter ce combat. Et aujourd'hui, nous avons en combat Chiren avec Sylvos, qui envoient à l'instant même leur Pokémon. Le combat est très serré en ce moment même. L'intimidation fait apeurer les Pokémon de l'ennemi. Ratiflame se prépare à lancer une attaque bout de feu sur Nostanfer. Oh mon dieu, c'est une attaque de type bluff! Enfin, de type bluff. Je dis vraiment que des conneries. C'est pas de type bluff, c'est l'attaque bluff. Oh non, me dites pas que... Oh, j'ai lancé bout de feu sur Nostanfer, mais il a été remplacé par un Maganon. Non! Oh, je suis vraiment pas chanceux. Bon, c'est pas grave. Lance attaque, marteau point. Si tu survis, tu survivras. Oui, tu survivras! Allez, Taka. Enfin, Taka. C'est pas mon Taka, c'est le Taka de... Wow, d'ailleurs, il gère plutôt bien, le Taka de Chiren. Bon, allez, déjà un Pokémon de KO, les amis. C'est déjà un pas de plus vers la victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'il a d'autre à me proposer? Non. Ce fut un plaisir, Ratiflame.
Bon, on va remplacer Ratiflame par Wind en espérant que... De toute façon, comme vu qu'on est accompagné de Chiren, nos Pokémon sont soignés automatiquement à la fin du combat, donc ne vous en faites pas. Alors Wind lance ton attaque Fatal Food sur Ludicolo. C'est toujours l'intention qui compte, même s'il a, il lui reste que 2 PV. Aïe! Aïe aïe aïe, j'aime pas trop le Dance Slam. J'aime pas Dance Slam, il va falloir vite le mettre KO, sinon je crois qu'il va me causer. Oui voilà, c'est bien, t'as qu'à foutre, utiliser force. Par contre un peu plus puissant, ce serait pas trop demandé. On va utiliser Fatal Food, hein. Ouais, je sais, c'est pas très... Ah, en plus ça a raté. Ah, je suis pas chanceux. Mais vraiment pas chanceux. Non. Oulala, oulala, la 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 la. Et il est chaud le Philali, il est chaud, hein. Bah, j'aurais dû m'en douter, hein. Lame feuille accompagnée de Dance Slam, c'est plutôt bien équipé, on va dire. Bon, Miros. Tu vas peut-être mettre fin à ce Philali, à ces conneries. Non, ça attaque psycho. Oui, c'est Miros, il sur... Non, non. On n'est pas chanceux. Bon, je suis obligé d'utiliser la force cette fois-ci. Pokémon surchité à l'attaque. Wait, QRM. Vous m'avez cherché, vous allez me trouver. Lance ton attaque Flamme Croix sur ce fichu Pokémon. Oh, l'attaque est bien lancée. Et zut, je pensais le one shot, mais non. Ah ouais, quand même, ils sont méchants. C'est moi qui aime paralyser les mobs. Non. Non, mon petit Taka, tu survivras, toi aussi, tu survivras. Mais lol. Le Taka de Chiren, lui, il survit, mais par contre, quand c'est le Taka de Sibo, ça meurt tout de suite. C'est la logique. La logique des jeux vidéo. Sinon, je sais pas si... Oh oui, j'avais déjà parlé, il me semble, de mon let's play. Donc je pense que je vais faire dans la semaine la suite de mes let's play. Ou une vidéo délire pour... Parce qu'en ce moment, j'ai envie de faire des vidéos, un peu plus de vidéos, mais différentes. À la part Pokémon White 2. Donc attendez-vous à peut-être une vidéo un peu spéciale. En avant... Miradar. Mais il va se faire démonter. Attendez, déjà on va mettre fin à ce Fortress parce que ça va être facile. Ah bah... Miradar, ce fut un plaisir. Ouais, ouais, bah... Quelle idée d'envoyer un Miradar face à un Philali qui a utilisé Dance Slam. Sérieusement. Mon HQRM lance attaque Feu Croix... Enfin, Flamme Croix. Enfin, ou Feu Croix. Non, Flamme Croix, c'est Flamme Croix. Et c'est gagné. Bon, déjà, on a battu les trois Pokémon de l'autre, là, du premier dresseur. Il ne reste plus que ce Philali et le Nostanfer, normalement. Il meurt. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut faire, mon très cher Chiren. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre comme Pokémon? Eh bah ouais, ton Nostanfer, comme je l'avais prédit. Donc, mon cher et magnifique White Kurem, tu vas terminer avec cette attaque tellement épique qui me semble être Draco Shock, si je me souviens bien. Parce que, oui, il me semble que... Ouais. Ouais, Reshiram, il avait Draco Shock, donc je pense que c'est Draco Shock. Oui, c'est Draco Shock, la puissance dragonique. Draconique. Et voilà, nous avons gagné ce combat. En espérant que ce soit le dernier. Parce que j'en ai un peu marre, personnellement. Allez, on a cours. Alors, Chiren, c'est où que tu voulais aller? Alors, oh, Pokéball. À moi. À moi. J'adore les à moi. Et... Ah, c'était pas là qu'on avait trouvé un jour un Zoroark. Wow! Bien de nous insulter, le prêtre. On n'a rien fait de mal, hein. On se baladait juste avec Chiren pour une raison encore inconnue. Oui, je sais, vous êtes devenus des gentils, et je le respecte. Ok, vraiment bizarre. Et... C'est tout? J'ai fait tout ça pour un objet? Ok, merci. Bon, attendez, on récupère ça et... Non. On est maudits, les gens. Je vais aller récupérer cette Pokéball là-haut pour le fun. Et il faut que je me fasse agresser. Par un Goinfrex. Par un Goinfrex. Le Pokémon qui me qualifie le mieux. En termes de fainéantise et de mange. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va le... Le martyriser à coup d'un marteau point. Et voilà. Fallait pas énerver Sylvos.
et 2-1. Alors, qu'est-ce qu'on a comme comme deuxième Pokémon? Non, on va pas changer. Oh non! Bon, toi, je vais quand même te faire payer de m'avoir agressé. Je vais lancer mon attaque la plus puissante. Non, 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 oui, tu survivras. Dans son attaque bout de feu! Attaque est bien lancée, le Pokémon est KO! Oui! Donc je pense comme je pense que je vais mettre tous mes Pokémon niveau 70 pour la prochaine vidéo. Parce que franchement ça commence vraiment à devenir très serré au niveau des levels, hein, comme vous pouvez le voir. On en est qu'à 4 ou 3 levels à chaque fois des... Regardez là, il est level 62, on a que seulement 3 ou 4. Attendez, ah ouais, on a 4 levels seulement d'écart. Donc je pense que pour la prochaine vidéo, je vais monter tous mes Pokémon level 70. Hein. Je sais pas si je l'ai dit déjà dans la vidéo. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous le saurez. Et voilà, c'est bon, on a gagné. C'est bon, tu peux me laisser passer, s'il te plaît. Ah bah en plus, comme ça, me donne un objet. Merci. Toi, tu au moins, tu as du cœur, pas comme certains. Alors, je prends la Pokéball. D'ailleurs, c'est une CT, la CT 85 ou 86, je sais pas, j'ai pas bien vu. Allez, on est parti. Oula. Ah oui, c'est vrai, purée. Il pouvait pas nous remettre à l'endroit où on était. Nya. 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 Oui. Non. Franchement, on est maudit les gens, on est maudit. Je me souviens que dans Pokémon Ruby, la distance maximale pour se faire agresser par un dresseur, c'était 3 cases du dresseur, à 3 cases. Ici, ça a complètement changé dans Pokémon Noir et Blanc, ça doit être au moins 5 ou 6 cases, même 7 voire 8. Je sais pas, mais la distance elle est grande. Hein. Pour la peine, ils vont payer de m'avoir agressé. Parce que Wind, ouais, Wind, c'est trop un fifou, moi je suis trop un fou. Wind, il va battre le type électrique avec l'électricité. Oh, en paralysie totale. Bout de feu. Alors lui, je pense qu'il va être KO. Ouais, c'est bon. Bah après tout, c'est que des Possipi et des Negapi. Voilà. Et je pense que Win c'est le plus rapide, donc Emma. Win, tu vas mettre fin à ce combat avec ton Fatal Food. Ah, c'est magnifique. Aïe, c'est fini. Voilà, maintenant on peut enfin progresser dans l'histoire. Putain, on va bientôt être à 20 minutes de vidéo, j'ai encore rien fait pratiquement. J'y crois pas. Ah non, pas encore des dresseurs. Ah bah, en fait, c'était juste une personne normale. Oh là là, je me ferais peur pour rien des fois. Et on arrivait. Ouais. On arrivait à la ville qui s'appelle Maillard, me semble. Je crois que c'est Maillard. Ouais, c'est Maillard. Mais juste avant, infirmière Joël, soignez mes Pokémon. Attachiwa, Sylvos. J'espère qu'ils vont aller mieux, infirmière Joël. C'est fichu dresseur, je vous jure. Ah merci, arigato gozaimasu, infirmière Joël. A très bientôt. Donc sur ce, on est reparti en vitesse et... Attendez, on peut pas passer par là? Non, on peut pas passer. Il y avait rien d'intéressant? Non, à part le musée, ici des maisons... Non, y'a rien. Y'a rien d'intéressant. Bon, sur ce, on est reparti parce que c'est surtout à Ogoès, à la ville d'Ogoès, qu'il y a plus de choses intéressantes. Comme l'arène, déjà, il y a l'arène. Et aussi, il y a le... Comment s'appelle déjà? Ah bah oui, bah il y a Latias, c'est là-bas qu'il y a Latias d'ailleurs. On va aller le capturer, j'espère que ça va bien se passer, que ça va pas nous prendre trop de temps. Et la ninja. Fichu Pokémon. Un chat crépant. Level 57. Bravo. Je me souviens que dans Noir et Blanc normal, les chats crépants ici, ils étaient level 12. Ah quand même. Alors là, c'est la pension Pokémon. Pour le moment, il n'y a personne qui nous agresse, donc ça a l'air plutôt bon signe. Allez, allez, on court, cours, Sylvos, cours. Tu es presque. Et nous voilà arrivés à Ogoès. Voilà. D'ailleurs, faites voir, il y a la reine Pokémon. Ok, bon, on verra ça un peu plus tard. Si on a le temps, après tout de suite après Latias. Allez, Latias, normalement, il est juste ici. Ah bah, quand on parle du loup. Coucou, Latias. Ça va, Latias? Tu viens venir avec moi, Latias? Viens ici. Non, reviens. Reviens ici, Latias. J'arrive tout de suite, Latias. Latias, où es-tu? Oh non. Ah, ok. Je pense qu'en fait, il faut que je retourne à l'arbre. Alors, ah bah du coup, je vais devoir apprendre coupe. Ça, c'est un peu chiant. Ah, c'est chiant. Je vais devoir apprendre coupe un de mes Pokémon.
C'est où déjà? C'est ça. C'est ça, coupe. Oui, je vais apprendre coupe à... À qui je pourrais apprendre coupe, moi? Bon, allez, on va dire... Miros. Quoi? Jean Miros peut pas apprendre? C'est pas possible. Ah ouais, en gros, c'est ceux avec un point d'exclamation. Ah bah, du coup, bah, y a que White Curem, en gros. Je sens qu'il y en a plein qui vont gueuler. Bon, attendez, on va remplacer Coupe par l'attaque qui est inutile de White Curem. Je suis sûr qu'il y en a qui vont gueuler. Ouais, il a pris une attaque aussi merdique à White Curem, le Pokémon le plus cheaté du jeu. Ouais, bah au moins, on est sûr que l'arbre, il ne repoussera plus jamais. White Curem, coupe-moi ça. Bon, c'est bon, de toute façon, bah, c'est juste aller à... Viens ici, la pierre, je vais venir te chercher. Bah, je pense que c'est par là. Ah bah, du coup, faut monter. Viens ici! Je veux t'a capturer! Où es-tu, Latias? Où es-tu? Ah, c'est bon! Allez, viens! Ah! À moi! Déjà, je pensais être Pokéball, je sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. Et je pense que là, c'est le dernier, normalement. Allez, viens ici, Latias. Viens! Je t'affronte! D'ailleurs, ça me fait penser qu'en plus, il y a quelques jours, j'ai regardé le film Latias et Latios. Ça m'a fait très plaisir à moi que le film... J'ai trouvé un peu décevant le film. Pas au niveau de l'histoire, mais au niveau des voix. Ouais, ça serait bien s'ils avaient foutu les mêmes voix que de l'animé. Hein, c'est toujours assez chiant. Ah. On va essayer de pas faire la même connerie. Pardon, je m'excuse. Hein, on va pas essayer de faire la même connerie qu'à Curem. J'ai pas envie de retester cette chance que j'avais eue, hein. Allez, Wind, tu vas nous paralyser ce Pokémon. Paralysie totale. Et on va l'affaiblir au fur et à mesure, hein. On va essayer de le rendre capturable le plus possible. Aïe. Non. Ah ouais. C'est pas grave, Wind, tu as très bien combattu. Ah ouais, je m'attendais pas à une aussi grande puissance de la part de notre très cher petit Wind. Bon bah Miros, je vais te charger de l'affaiblir le plus possible. Psycho! Vous en faites pas, c'est fait exprès pour que l'attaque ne soit pas efficace ou... c'est fait exprès, ne vous en faites pas. C'est juste histoire de le... Ouf. On va utiliser une dernière fois Psycho. Allez, le tue pas. Parfait. Maintenant, il est temps de lancer une Hyper Ball. Bague. Hyper Ball. Ah bah d'ailleurs j'en ai plein. Hyper Ball go! Allez, on croise tous les doigts. 1, 2, 3. Oh putain, je l'ai encore. J'y crois pas, je l'ai encore eu. J'ai encore eu du premier coup, mais j'y crois pas. C'est quoi cette chance que j'ai sur ce jeu? Oh mais lol. Oh mais oh mon dieu quoi. Bah du coup je te donne pas de nom. Non, t'en fais pas. Ah bah du coup bah ça doit être la Roséam, hein, je pense. Je suis pas sûr du tout, je pense que c'est la Roséam. Bon bah... Ah bah du coup bah attendez bah... Bah... On va pas se faire chier pour le trajet, on va faire vol. Putain mais j'y crois pas cette chance que j'ai les amis. Je vous jure il n'y a aucun cheat, aucun trucage. Mais c'est tout simplement incroyable. D'habitude ça m'aurait pris 5 ou 7 Pokéballs mais là ça me... 5 ou 7 Hyper Balls, excusez-moi. Bon, attendant, infirmière Joël, soignez les Pokémon, que Latias a blessé, s'il vous plaît. Du moins, mon petit Win. Bon, bah, du coup, on arrive à combien de temps de vidéo? Attendez que je regarde ça. Bah, 24 minutes, bientôt. Bon, bah, bon, allez, on va se faire l'arène. Enfin, du moins, l'ancienne arène de Ogoès, en espérant qu'on va réussir. Enfin, du moins, je sais pas ce qu'on gagne. Enfin, on va voir ça. Alors, on entre. On va parler à celui que je connais le plus, Rachid. Hein. Rachid qui joue aussi dans l'animé d'ailleurs. Oui, je te défie. Ah mais non! Non! Je voulais te défier toi, je voulais pas défier. Non! Oh zut! Parmi tous les trois champions, il a fait que je prenne celui de type plante. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va gérer. En avant, Rachid! Comme dans l'animé, on va tous les deux gérer. On va vous montrer ce que c'est que des chanceliers Pokémon. Lance ton attaque, marteau point sur Afflamoir. Oh non. Oh non.
Oh non, j'aime pas être confus. Ah par contre ça va pas le faire, ça les... J'aurais peut-être dû prendre le mec... Mais... Oh mais qu'il est bête! Il utilise Danseleur sur un Pokémon de type feu! Parmi tous les trois, il a fait que je prenne le plus con! Je suis désolé de mon langage, mais c'est complètement désespérant. Même Zozo, il savait ça, que les Pokémon de type plante, c'est inefficace sur les types feu. Ah bon sang. Écoute, tu mets... Si, écoute-moi bien. Je veux que tu tues celui qui a les Pokémon de type eau, Rachid. Moi, je m'occupe de celui qui a les Pokémon de type feu avec mon Fancy, ok? Je pense qu'il aura... Oh putain. Ils sont vraiment pas sympas avec leur frère, enfin avec leur conjoint, ils sont vraiment pas sympas du tout, hein. Vous avez pas honte, c'est votre ami. Ah, ça me dérange tout ça me dérange bien. Ah bah du coup, il sort son dernier Pokémon, putain, si ça continue, c'est moi qui vais devoir me faire complètement tous les deux. Et bah voilà, c'était pas si compliqué. Ah bah en plus il me fait un one shot, parfait, et bah voilà, t'as enfin compris le truc. Alors Fancy, maintenant il est temps pour toi, mais... Ah, ça fait deux tours que j'ai pas attaqué, quoi. Ah, je suis vraiment pas chanceux, moi aussi. Roi Gata. Lance une attaque hydroqueue sur un flamoir. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, mon très cher feuilloutant. Aïe. Bon, bah... Ce fut un plaisir, feuilloutant. Bon, et eh bien, pour un combat 2 contre 2, ça va plutôt être un combat 1 contre 2, hein. Je suis désolé, hein, mais si je perds ce combat, vous voyez bien, vous avez la preuve en direct que je suis tombé sur un pur noob. Bon bah du coup, c'est moi qui vais devoir me faire toute l'arène tout seul, hein. Aïe, non. Ah bah c'est vrai, j'avais pas vu que c'était une attaque de type feu, que je suis bête. Ah, ce serait utile si je pouvais envoyer un deuxième Pokémon de mon équipe, mais je peux pas. Ça, c'est vraiment dommage. Oh là là, les amis, j'y crois toujours pas que j'ai capturé Latias en un coup. D'habitude, quand je joue à un jeu Pokémon, IRL, ça me prend au moins 7 ou 8 Hyper Ball minimum. Mais là, depuis que je vais attaquer ce Let's Play, ça marche du premier coup. Enfin, du moins pas les premiers Pokémon légendaires qu'on a fait. Mais j'y crois pas. Ah bah... La prochaine vidéo, je pense qu'on se fera les trois esprits, genre Créelf, Créfadet et Créfollet. Et dans encore la prochaine vidéo, on se fera les régies. Hein. Genre Régistil, Régirock et compagnie. Sinon, à part ça, on va régénérer notre Fancy parce que ça s'annonce un peu plutôt mal. En fait, je vous explique mon plan. Pour le moment, j'ai essayé d'éliminer tous les Pokémon de type feu. Comme ça, bah, après, bah, je me débrouille avec Queen pour niquer tous les Pokémon de type eau. Donc vous en faites pas, je gère très bien pour le moment. Aïe. Non c'est bon, c'est une attaque de type O, c'est un Pokémon de type O. Rien de grave. Aïe Fancy, faudrait que tu mettes KO le Darumacho. Tu me serais très... Ah zut. Lance ton attaque. Hydroqueue, il faut que ça marche. Faut que ça marche, non. Il faut que tu survives. Oui tu survivras, oui. C'est parfait. Fancy lance ton attaque. Hydroqueue. Attaque est bien lancée, attaque est puissante, il est KO! La chance est avec nous, les amis, la chance est avec nous! Aïe! Ah là, là ça, par contre, ça je m'y attendais, ne vous en faites pas. Ça fait partie du plan! Donc maintenant, Wind, tu vas devoir te gérer deux Pokémon. Je crois en toi, Wind, je sais que tu peux le faire. Alors, Wind, déjà, tu vas commencer avec une attaque Fatal Foudre. Ah, zut, ça c'est pas de chance! Ça va, il a pas attaqué, Wind, il a pas attaqué, on a de la chance, on a de la chance. Par contre, il faudrait que la prochaine tu réussisses, s'il te plaît. S'il te plaît, Wind. Et je te donnerai une baie au rang à la fin. Allez, oui. Au foudre du ciel, qui frappe en ces lieux. Gagne ce combat, oui. Deuxième one shot. Plus que le dernier. Alors, flow tout temps. Je me souviens, j'en avais un temps, noir et blanc. Donc je connais un petit peu ses attaques, ouais, je me souviens que j'avais moi aussi appris ébullition. Par contre, non. Oh là 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 là. Je t'en supplie, Wind, faut que tu réussisses ça. Bon, vous savez quoi, on va pas prendre trop de risques. On va soigner Wind avec guérison. Parfait. Wind, je mets toutes les chances de notre côté.
Aïe. Non, 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 non. C'est... Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Win, faut que tu réussisses la prochaine attaque, je t'en supplie. Réussis. Oui. Yes. Maintenant, faut que ça marche, allez en entier. Oui. Nous avons réussi l'impossible, nous avons battu deux champions à nous tout seuls. Du moins, Rachid, il a rien fait, hein. pas grand chose, hein. Il a juste buté un seul Pokémon. Donc la prochaine fois, je réfléchirai à deux fois. Et c'est tout? On gagne rien? Tu fais bien le malin à danser, hein, mais t'as rien foutu. Bon bah, du coup, on a rien gagné, je pense. Bon bah, c'est bon, on va quitter la vidéo sur là, hein, je pense, hein. Donc comme d'habitude, je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager. Sur ce, à très bientôt les amis.